Salut à toutes et à tous, c'est Mindset. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Épisode qui va vous expliquer comment créer, enfin, comment avoir, comment avoir un skin craft sur la version craquée, bien sûr, en multijoueur, et que nos amis puissent voir notre skin. Donc, déjà, aujourd'hui, c'est le petit tuto de ça. Vous allez sur Internet Explorer. Alors, vous allez sur Minecraft, le lien je vais le mettre dans la description, je le mettrai, je crois. Voilà, alors ça, vous avez Minecraft là, vous cliquez dessus. Voilà, donc une fois qu'on a ça, désolé pour les bulles qu'il y a sur le côté, c'est pas dedans. Sur le site Minecraft, je vous dis, comme je vous dis, je vous mettrai bien dans la description, ça attend que ça charge. Voilà, il y a inscription. Voilà, bon, alors, il dit salut visiteur, vous cliquez en haut. Et alors, ici c'est pour vous inscrire, donc moi vu que je suis déjà, j'ai déjà mon nom. Alors, je vous dis juste, pour vous inscrire, il faut mettre votre nom d'utilisateur que vous avez sur Minecraft, ce qui veut dire, ceci là. Faut que vous mettiez ça obligatoirement, ce nom là en nom d'utilisateur. Là tu vous confirmez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et vous confirmez votre mail, etc. Donc là, voilà, je me connecte, vous inscrivez, vous allez voir dans votre boîte mail, il y aura un lien d'activation de compte. Alors, une fois que vous avez fait ça, quand vous êtes connecté, il y a ça. Alors, vous téléchargez le patch. Moi, je vais le faire en même temps que vous, c'est pas grave, j'ai déjà fait, mais au moins, vous aurez un meilleur tuto. Vous téléchargez le patch, et une fois que vous avez téléchargé le patch, vous patch tout en un pour la version, ouais, celui-là. Alors, patch tout en un pour la version 1.2.5 Minecraft.jar pré-craqué. Voilà. Donc, c'est celui-là. Ça, faut à tout prix que vous le téléchargez. Au début, je comprenais rien, j'ai oublié de le faire et ça marchait pas, je vous le dis tout de suite. Donc ça, on l'enregistre où vous voulez, moi je vais enregistrer sur mon bureau, prendre ceci à obtenir. Voilà. Une fois que il est installé, alors Minecraft, c'est quoi ça? Attendez, je vais l'ouvrir avec une rare. Alors je vais l'ouvrir. Je vais voir si je peux l'ouvrir avec ma mémoire. Et là c'est plus chaud quand même, c'est un peu peur. Je crois que ça me fait peur. Attendez. Oula. Ouvrir avec une rare. Alors, que se passe-t-il? Voilà, non, si, c'est bon. Donc voilà, une fois que vous avez ça, enfin, quand vous allez... Non. Ah non, là, voilà, ça m'arrive. Ici, vous avez... Voilà, donc vous avez votre dossier Minecraft. Vous allez en bas dans votre barre et vous tapez pourcent app ppbata pourcent. Une fois que vous avez ça, vous avez le dossier roaming. Ou pour ceux qui ne l'ont, qui n'ont pas, enfin Windows 7 ou Windows Vista, vous tapez, vous faites la touche Windows plus R. Donc vous allez arriver sur ça, vous retapez pourcentage app data, vous allez arriver sur ça. Roaming, là, vous allez aller dessus, cliquez sur point Minecraft. Vous allez dans le dossier bin. Et ici, votre dossier Minecraft. Alors, le dossier Minecraft que vous avez, c'est Minecraft ou Minecraft.jar, peu importe. Vous faites supprimer. Je sais que ça peut être important, c'est un peu de la merde, ça va faire, mais ça peut faire peur à certaines personnes, mais vous allez voir, ça marche. Et vous le remplacez par ce Minecraft quand vous verrez avec WinRAR.
vous remplacer. Parce que vous allez voir que... Alors, si je monte. Ouais, ok. Quand on ouvre ceci avec WinRAR Achiever, ben on a toutes nos données. Tout. Donc voilà. Il faut, si vous voulez voir, alors là je vais vous expliquer comment mettre le skin. Pour le moment c'est fait. Alors, pardon. Voilà. Alors, vous allez dans votre profil. Voilà, bon, vu qu'il connaît votre nom, vous avez téléchargé, mettons, un skin. Votre skin est téléchargé. Parce qu'un skin seul, je pense que vous saurez le télécharger. Voilà, alors, le skin. Il faut, vous allez dans votre dossier où vous avez rangé vos skins. Donc, moi, c'est tellement le bordel. Voilà, il est là. C'est bordel, voilà, bon, c'est là. Là, j'ouvre mon skin et je fais upload. J'ai uploadé mon skin. Je peux quitter. Donc, là, on va aller sur Minecraft. J'allume mon serveur vite fait. J'allume celui-là. Bon, ça, c'est mon serveur. Voilà. Alors, ça va être 20%, voilà, c'est bon. On va sur Minecraft, et une fois que je suis sur... Attends, je vais voir si j'ai enregistré ça. Une fois que je suis sur Minecraft, je vais sur mon multijoueur, mon serveur, voilà. Et quand je suis sur mon serveur, bien sûr, avec ma maison... Oh là là, là-bas, faut pas regarder, parce que c'est une petite... attirée que vous avez qui va vous plaire. Et ben voilà, je fais F5. J'ai mon skin. Bon, il est un peu mal fait celui-là, j'avoue, c'est un skin que j'ai créé moi-même. Donc il est mal fait, c'est mon premier skin. Je sais, mais je vais pas terminer. Donc ben voilà, ici vous avez vu mon skin. Donc par contre, si vous voulez voir vos amis comme ça, il faut que vos amis aient installé le même truc que vous. Et installer le même le truc, on fait le même truc que je viens de vous montrer dans ma vidéo. Donc ben voilà, vu que vous venez de le voir, et ben je vais pouvoir arrêter ma vidéo et puis je vous dis à bientôt. Donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ben je vais vous laisser. Allez, ciao.